quand on te parle de l'Alsace, on pense souvent à... aux cigognes, qui sont inscrites au patrimoine immatériel. Mais si je te dis que l'Alsace n'est pas la région où il y a le plus de cigognes, tu me crois? Petit jeu, je te laisse 3 secondes, à ton avis, quelle est la région où il y a le plus de cigognes? C'est la Nouvelle-Aquitaine. Depuis 2014, la Charente-Maritime a en effet détrôné le Haut-Rhin dans le cœur de ce bel échassier. On peut les voir dans les marais de Brouage et de Rochefort, fief de l'espèce depuis son retour naturel en 1978, mais aussi dans les prairies humides de la vallée de la Charente et jusqu'aux rives de l'estuaire de la Gironde. Il fait bon vivre en Charente-Maritime en Nouvelle-Aquitaine et les cigognes blanches bénéficient du climat océanique favorable et la présence de marais préservés qui leur assurent un garde-manger bien fourni. Elles aiment bien notamment se nourrir d'une espèce invasive, l'écrevisse rouge de Louisiane. Certains oiseaux se sont même sédentarisés. Et pour rester curieux tous les jours, abonne-toi !